Thank you bonjour je m'appelle frédéric Bézian je suis auteur de bd alors parfois auteur complet parfois auteur euh, demi auteur c'est à dire je fais juste le dessin en gros dans le côté cuisine je fais un peu plus que le dessin mais enfin on va s'en tenir là euh, là je vous ai apporté quelques exemples de les parmi les plus récentes de ce que j'ai pu faire. Hein dans le côté euh, plus grand public et donc euh, avec un scénariste en l'occurrence Noël Simsolo que j'ai rencontré à Revel pendant le tournage de l'enfer où il avait un petit rôle. Euh, là, on s'amuse à faire une espèce de pastiche de de roman feuilleton façon fin 19e début 20e, un petit peu fantomas et autres euh, savants fous. Euh. Complètement délirant. Euh, à l'origine, c'était un feuilleton radio qui passait sur France Culture et Noël Simsolo a voulu en faire euh, une BD. Et on s'est amusé avec ça. Et je suis en train de terminer le troisième. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Et on a, euh, voilà, si vous voulez, un aperçu de la façon dont ça se déroule. Celui-là est complètement délirant. Assez furieux et se déroule euh, exclusivement sur Paris. 1920, Paris, savant fou, euh, le... intrigue à moitié tordue, hyper compliquée, complètement délirante. Ici, on c'est la suite, on fait comme dans Fantomas, on continue, et <laughs> on ne s'interrompt pas. Et là, on va partir de Paris, on va en Italie. Et euh... On change un peu de technique, mais dans le fond, les ambiances sont un peu toujours les mêmes. Et la troisième partie se déroulera à Venise. Et c'est pour... Je suis en train de le terminer. Donc là, c'est pour... La sortie est prévue pour septembre prochain. Et ça, ça va être plutôt le côté, disons, projet personnel. Euh, forcément un peu plus libre, un peu plus pointu, diront certains, ça dépend. Ça, c'est un objet assez particulier parce que voilà la couverture, mais voilà aussi la couverture. Euh, en fait, ça n'est pas exactement un livre, c'est ce qu'on appelle un leporello. c'est-à-dire basé sur l'objet des, des estampes japonaises. 19e ou 18e, même et sauf que en principe, les, les estampes japonaises sont imprimées d'un seul côté, et là on a l'autre côté qui est imprimé aussi. Et je me suis amusé à m'amuser à, à visiter la, à, les grandes lignes de deux personnages. Mondrian et quelques autres euh, d'un côté, là c'est le cas, et de l'autre côté un mathématicien dont j'ai découvert l'existence à travers un livre où il s'est amusé à reprendre les, les théorèmes d'Euclide avec les trois couleurs fondamentales, le rouge, le jaune, le bleu, plus le noir. Et c'est en faisant quelques recherches que je me suis aperçu que c'était aussi les préoccupations colorées du Bauhaus, de Mondrian et de quelques autres. Et je me suis amusé à faire un objet où les principales scènes se correspondent, pas forcément dans l'ordre. C'est à vous de faire les, c'est au lecteur de faire les les rapports. Et il y, y a de l'authentique, il y a du un peu fantasmé sur les bords. Là aussi, il faut s'amuser à faire des recherches pour voir un peu ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Voilà, ça c'était un objet assez rigolo à faire. Un peu compliqué à mettre en place, mais assez rigolo. Et ça c'est le dernier nez. Euh, c'est l'unique fois et probablement la dernière que je fais l'adaptation d'un roman. Qui dont l'intrigue m'avait un peu sidéré, qui est Carou, de Steve Tesich, qui est sorti en France en 2012, alors que son auteur euh, l'a publié aux États-Unis en 1995, et il ne l'a même pas vu publier, puisqu'il est mort juste avant. Euh, et j'ai décidé d'adapter ce roman à ma façon en essayant de ne pas faire platement l'illustration du roman et donc je me suis amusé avec euh, du noir et blanc une couleur de temps en temps et pas n'importe lesquels des... le blanc qui pénètre de plus en plus euh, des... des fantaisies de mise en page des correspondances entre les pages euh, des choses qui ne sont faisables qu'en bande dessinée quand même une espèce de tripatouillage qui ne doit rien au... ni au roman ni au cinéma et là, ça raconte l'histoire d'un script doctor, c'est-à-dire un, un monsieur qui est payé dans les milieux du cinéma par un producteur pour euh, bah en fait, tripatouiller les projets, enfin euh, le film de quelqu'un à l'état de projet, ou en, euh, réalisé, ou en cours de montage, à n'importe quel stade de la production, et de le tripatouiller parce que le producteur a jugé que l'état, il n'était pas assez commercial. Et donc, le script doctor est censé faire d'un film pas vendable, prétendu pas vendable, quelque chose de commercial. Ce qui arrive là, ce jour-là, à ce monsieur Saul Karou, juif new-yorkais euh, dans les années 90, c'est qu'il tombe sur un film à, à retoucher, soyons polis, comme d'habitude, et il s'aperçoit que non seulement c'est un chef-d'œuvre absolu et qu'il est hors de question qu'il retouche à ce film, mais dans un deuxième temps, il va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui le titille et qu'il y a une personne, une actrice de second ordre, qui apparaît à peine dans le film, dont il est fort probable qu'il la connaisse et encore d'une façon très très particulière. Et ça va le faire basculer complètement au niveau de sa décision de ne rien toucher pour euh, re essayer d'améliorer la vie de cette personne dont il a cru comprendre qu'elle a eu une vie assez destructrice. Mais je ne peux pas tout dévoiler et en fait il va être déchiré entre euh, la création et le commerce. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va bidouiller ce film et le charcuter alors qu'il a vu que c'était un film absolument génial Ou pour venir en aide à cette nana, essayer de la mettre un peu plus en valeur qu'elle n'est dans le film. Jusqu'à ce que pour la petite histoire, je me suis aperçu que... Euh, un écrivain valéitaire déchiré entre création et commerce, appelé par un producteur peu scrupuleux pour aller bousiller le film d'un grand, d'un vieux ponte du cinéma. Euh, avec le thème de l'Odyssée par-dessus, ce qui est très important dans le bouquin, euh, une femme acariâtre, hein, j'ai fini par me rendre compte que Steve Tesich avait, à sa façon, adapté le mépris de Moravia ou de Godard et, et c'est tellement crypté que personne s'en est aperçu et j'ai trouvé un ou deux indices qui permettaient de s'apercevoir que il y a des gros gros points communs et donc je me suis amusé là dessus avec des petits parallèles entre Godard, Moravia et, et forcément Steve Tesich puisque j'ai adapté son bouquin voilà différentes facettes de mon boulot, le troisième tome donc de radar là je vais en avoir fini avec le, le, le côté roman feuilleton fin 19e début 20e roman populaire et après ben, on verra le futur est un peu ouvert